Allô, mon ami, tu es là? T'inquiète, ça va aller, Inch'Allah. J'ai besoin du soleil, moi. Il est toujours froid ici. Pas de soleil. Mais dis-moi, pourquoi tu veux venir en Europe? Il y a ta famille, tes frères et sœurs. Et pourquoi tu veux te sacrifier de venir en Europe? Moi, je ne pourrais pas t'expliquer aujourd'hui. Et c'est une histoire très longue. C'est une histoire très très compliquée. Et c'est difficile à raconter. Mon ami, je te souhaite que du bonheur. Mon ami, je veux que du bonheur de toi. Mais avant de te sacrifier, pense à tes familles et tes frères et sœurs d'abord. Mon ami, avant d'arriver en Europe, c'est le voyage de l'enfer. Soit tu meurs dans l'eau, soit tu meurs dans le désert. Et si Dieu merci que tu es arrivé en Italie vivant, tu dégoûteras de manger et dormir. Rien à faire que manger et dormir. Et si tu veux venir en France pour gagner une vie meilleure à 20 000 ans, va te dégoûter. Tu marches sur les montagnes de rentrer à Molton Caravan, les policiers vont te retourner à 20 000 ans. Tu prends le train, arrivé à la frontière, les policiers vont te donner un papier qui est écrit au-dessus, refusé de rentrer en France. Et si tu as réussi à rentrer un jour en France, c'est la découverte d'une nouvelle vie. La gare Saint-Charles, je dis bien à la gare Saint-Charles, tu seras là-bas dans le froid, minimum 3 mois, peut-être après ça peut aller. Mon ami, s'il te plaît, je vais dormir. J'irai à l'école demain et je dois me réveiller à 6h pour me laver, prier, déjeuner avant d'aller à l'école. Ça me fait 1 heure avant d'arriver à l'école. Donc désolé, mon ami, je vais dormir.